Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les accords du participe passé quand il est précédé de l'auxiliaire être. Ce qu'il faut retenir, c'est que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet si ce participe passé est précédé de l'auxiliaire être. Vous avez par exemple la phrase suivante: Il est parti. Par exemple, il est parti en voyage. Donc, ici, le sujet, c'est il. Le genre de il, c'est du masculin singulier. Ici, on a l'auxiliaire être et le participe passé, c'est parti. Donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet si ce participe passé est précédé de l'auxiliaire être. Donc on est tout à fait dans ce cas de figure. Donc ici, parti se termine par i, il n'y a pas de terminaison supplémentaire parce que en fait le sujet c'est du masculin singulier. Si maintenant on prend la phrase suivante, elle est partie donc elle c'est du féminin singulier donc ici on rajoute un e parce que c'est du féminin. Si maintenant on prend la phrase suivante, il au pluriel sont partis ils, c'est du masculin pluriel. Donc ici on rajoute un S à cause du pluriel. Si maintenant vous avez elle sont partis le genre du sujet elle c'est du féminin pluriel donc ici on rajoute le e pour le féminin et le s pour le pluriel. À bientôt.